C'est un plaisir pour moi. Alors, je viens ici en tant que, on va dire, amateur sur tout ce qui est question du logiciel libre et les données de santé. Ça, c'est surtout parce que c'est plutôt mon domaine professionnel. Il se trouve que j'ai croisé pas mal de choses ces dernières années à ce propos-là. Et je trouve intéressant, donc, quand Brigitte a proposé de faire un événement autour de, on va dire, de l'éducation populaire. De venir parler un peu des données de santé en général, sachant que Xavier venait aussi présenter des choses sur l'intimité, je me suis dit que ça pouvait aller avec. Et il m'a semblé peut-être pertinent déjà d'essayer d'expliquer, alors c'est aussi mon point de vue beaucoup, hein, on peut discuter souvent, on va discuter, comment on va définir des données de santé, alors comment on définit des données, ça Xavier et Stéphane l'ont fait. Donc moi je vais aller un peu plus loin sur les données de santé. Et ensuite, on va voir à qui dit-on toutes ces choses-là, toutes ces données de santé qui sont produites, vers qui on va aller, on va les fournir. Alors, il faut que j'essaye d'être un peu plus rapide sur la veille. Donc voilà, rapidement, donc moi je suis un ingénieur en développement informatique, un bon vieux ingénieur informaticien, comme on dit, mais j'ai fait aussi un doctorat en imagerie médicale, donc qui m'a amené à traiter beaucoup de données de santé. Et aujourd'hui, je suis responsable du développement logiciel d'une start-up à Montpellier sur des problématiques plutôt neuroradiologiques. À ce titre, je touche beaucoup à l'imagerie médicale et à l'anonymisation et au transfert des données des patients qui sont traités par notre logiciel. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous dire un peu ce qui se fait dans ce domaine-là. Et je fais aussi de la visualisation scientifique, donc ça c'est plus le cœur du logiciel, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Si certains ici d'autres sont sur Mastodon et ne me suivent pas encore, c'est mon pseudo de Gélouze. Brigitte a fait toute la communication avec mon pseudo, c'est moi qui lui avais demandé, on rejoint les notions d'intimité de Xavier. Je ne voulais pas étaler mon nom de famille et mon prénom sur des supports de communication. Stéphane en a parlé aussi, c'est un choix. Aujourd'hui, je dévoile mon vrai nom, vous pouvez le communiquer, c'est mon choix aussi. Pour en venir aux données, alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée? C'est une description de la réalité. On a la température, une couleur, un message sur Facebook, c'est une description d'une réalité. En tant que telle, un message, c'est une description. Mais c'est également le résultat d'un traitement. Alors, tout à l'heure, on a parlé de métadonnées, de données, de en fonction de qui fait la donnée, on va avoir plutôt est-ce que c'est une donnée, une métadonnée, ça, c'est très changeant, c'est très philosophique, et ça ne va pas du tout être le sujet d'aujourd'hui. Mais en gros, on va avoir qu'une donnée, c'est quelque chose qui va permettre de décrire un état. Et cette donnée, on va pouvoir en faire plusieurs choses. En général, ça va être un traitement, on va essayer de les traiter. Donc si c'est le résultat d'un traitement, ça va permettre de faire un nouveau traitement. Par exemple, si on a eu une analyse biologique, on va pouvoir traiter cette analyse et calculer peut-être un risque de maladie. Donc un risque très, on va dire, très biologique, un pourcentage de risque. Ce traitement ou cette donnée pourra être interprétée. Donc par exemple, si c'est un sondage politique, on va pouvoir dire, ah oui, les Français veulent ci, ils veulent ça. Donc on voit bien ce que donnent les interprétations souvent. Très souvent, on n'est pas d'accord. Ou on va pouvoir prendre une décision. Si c'est un médecin qui voit le résultat d'un traitement, d'une analyse biologique, il va pouvoir décider s'il faut opérer ou pas. Le patient va pouvoir décider s'il se fait opérer ou pas non plus. Alors en fonction si vous êtes médecin ou patient, vous êtes plutôt sur une interprétation ou sur une décision ou peut-être des fois ni l'un ni l'autre. Et ces données, elles peuvent être transmises. Alors dès qu'une donnée est transmise, on appelle ça une information. Alors pourquoi je donne ce terme-là aujourd'hui? On va l'entendre très souvent dans les deux cas. Je vais parler de données et d'informations dans le même sens. On fait la différence entre une donnée et une information quand on a une transmission. Tout à l'heure, Xavier parlait de dire quelque chose au milieu de l'Atlantique. Pour moi, je vais appeler ça une donnée. Par contre, si vous commencez à le faire dans une salle, ça va devenir une information parce que vous avez transmis votre donnée. Pareil, c'est discutable. Mais ça permet d'introduire le terme d'informatique qui est la science du traitement de l'information. Donc, c'est ce qui permet d'automatiser
le traitement d'un ensemble de données. Alors cette notion d'automatisation du traitement de l'information, il y a quelques années est apparu le terme big data. Donc ça c'est le petit anglicisme qui va bien. C'est en gros les données massives, c'est des énormes containers de données qui, grâce à l'informatique, peuvent être traités automatiquement et faire des interprétations, des statistiques sur des données. On a la météo, qui est un bon exemple. On sait qu'à quelques jours, elle est plutôt fiable. À 5 jours, elle commence à être beaucoup moins. À 2 semaines, on ne sait pas. Et ça dépend où on est. On a la génomique, évidemment. Donc, question de données massives, ça se pose là. Et l'analyse tendancielle, par exemple, c'est pour la bourse, où on va avoir du traitement de données massives. Au milieu de toutes ces données, on a les données qu'on appelle les données personnelles. Alors, ces données personnelles, elles sont importantes, en particulier avec le principe d'intimité dont a parlé Xavier tout à l'heure. Elles sont tellement importantes qu'elles ont leur propre règlement européen. Un règlement européen, ça veut dire que ça passe au-dessus de nos lois, c'est-à-dire que c'est applicable en tant que tel dans nos lois. Le préambule du RGPD, donc ce fameux règlement qui est applicable depuis l'année dernière, le premier considérant, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené à écrire ce règlement, nous dit « la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental ». Donc c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut être protégé face au traitement de ces données qu'on appelle des données personnelles. Alors le 4, il est intéressant parce qu'il dit que ce n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans certains cas, des exceptions qui vont faire qu'on va quand même pouvoir traiter vos données. Mais bon, il faut quand même justifier ça plutôt bien. Il y a 173 considérants, ça fait quand même quelques pages à lire avant de taquer le vrai règlement. Alors autour de ces données qu'on appelle personnelles, on a plusieurs acteurs. Les premiers que je cite ici, ça va être les institutions, donc l'Europe avec le RGPD, la CNIL en France, qui est la Commission nationale informatique et liberté, l'avait été créée dans les années 70 pour la loi informatique et liberté. Elle était très consultative avant. Maintenant, elle a un peu plus de pouvoir. Hélas, pas forcément plus de moyens. Mais le RGPD lui donne quand même quelques prérogatives intéressantes. Et en termes d'institutions, on a donc tous les systèmes de surveillance. Alors, si on veut alimenter la parano, on a la police, on a la surveillance faciale, reconnaissance faciale, toutes ces choses-là. C'est une réalité. Quand je dis parano, ce n'est pas forcément que ça n'existe pas, mais c'est une réalité. Mais on a aussi des institutions qui vont mettre en place des systèmes de santé publique. C'est-à-dire que toutes les données que vous pouvez produire peuvent éventuellement être utilisées pour détecter un foyer d'épidémie, des choses comme ça. Donc, ça peut être quand même quelque chose de plutôt positif. Ou pour mener des politiques, donc soit sociales, soit plutôt à l'inverse, plutôt discriminatoire, puisque, bah, évidemment, c'est les politiciens, on va dire les institutions publiques, qui peuvent avoir accès à ces données, dans certains cas. Pour contrebalancer un peu ces institutions, Big Brother et tous les puissants de notre pays, on a beaucoup d'associations qui œuvrent autour de la problématique des données personnelles. Donc moi, je cite la Quadrature du Net, j'ai pris beaucoup d'exemples chez eux, j'ai même leur t-shirt. Donc ils font des choses énormes là-dessus, un gros travail de veille qui est très important. Alors je les cite eux, mais ce ne sont pas les seuls. L'April, indirectement, on va dire, fait également pas mal de travail là-dessus. Exodus, alors plus d'un point de vue technique, Exodus Privacy, qui est un système d'analyse de traceurs sur Android. Vous aurez une présentation tout à l'heure là-dessus. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres, Framasoft, RAP, résistance à l'agression publicitaire. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Évidemment, dans les acteurs que vous allez retrouver autour de ces données personnelles, vous avez les entreprises. Alors, pourquoi les entreprises sont intéressées ? On a évidemment le ciblage publicitaire, on pense à Google tout de suite, mais ce n'est pas le seul. On a le recrutement, on n'y pense pas forcément, mais
Si vous avez des profils LinkedIn, vous avez beaucoup d'informations personnelles qui sont dessus et les recruteurs sont très friands de ce genre de choses. Ça devient une calamité même. Ça va être simplement des statistiques. Comment vous utilisez un site internet? Alors, pas forcément pour essayer de vous vendre quelque chose. Hein. C'est peut-être eux techniquement savoir si vous utilisez correctement le site et si ce n'est pas correctement fait, peut-être qu'ils peuvent l'améliorer. Mais ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à une utilisation. Mais n'empêche que quelque part, vous allez amener des données qui sont, qui peuvent être personnelles si derrière, ce n'est pas bien fait. Le fameux bandeau avec les cookies. Et quelque chose, moi, qui me hérisse le poil, c'est par rapport au marketing, avec le neuromarketing, où on a aujourd'hui des choses qui sont assez terribles pour profiler justement les gens, comment ils vont être attirés par certains produits. En neuromarketing, c'est qu'en plus, on va voir ce qui se passe dans le cerveau. Et évidemment, les personnes concernées en premier lieu, c'est vous, donc citoyens, citoyennes, puisque vous êtes producteur, productrice de données, en naviguant sur Internet avec les objets connectés, les montres, etc. Mais pas que, donc c'est ce qu'on va voir après. Il y a beaucoup de choses qui vous amènent à partager des données personnelles et donc de santé aussi dans certains cas. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Et évidemment, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez une certaine intimité, un niveau d'intimité. Il y a des gens qui sont capables d'être sur une plage nue avec un certain nombre d'autres personnes. Moi, personnellement, j'en serais complètement incapable. Dans certains pays, on peut avoir des toilettes qui sont ouvertes. Donc, c'est une intimité qui est relative en fonction de la culture. N'empêche qu'elle est là et c'est un droit. Voilà, donc j'ai été très rapide parce que finalement, c'est des choses qu'on dit beaucoup, Xavier et Stéphane, ce matin, et Xavier cet après-midi. Donc pour résumer très rapidement, si on considère les données, on a des données personnelles. Et ce qui va nous intéresser là, ce sont les données de santé. Alors quand on parle de données de santé, moi j'ai mis les données génétiques dedans. Il faut savoir qu'elles ne le sont pas forcément. Les données génétiques ne sont pas forcément des données de santé. C'est assez compliqué de faire la différence à ce niveau-là. Et la donnée de santé va être quelque chose qui va être lié à une personne physique. Donc ça, c'est la définition du RGPD. Encore une fois, ce fameux règlement général de la protection des données à caractère personnel. La définition sur les données concernant la santé, c'est une donnée qui est relative à la santé physique ou mentale d'une personne physique. C'est important d'avoir cette notion de personne physique ici, y compris la prestation de services de soins de santé, et qui révèle évidemment donc des informations, des données sur l'état de santé de cette personne. Là, on a une notion d'identification qui est quand même très importante dans le cadre du règlement, c'est-à-dire que les données anonymes, vraiment anonymes, ne sont pas concernées par ça, sachant qu'elles n'existent pas forcément facilement. L'article 9 de ce règlement, alors je suis désolé, ça va être très, très réglementaire ce que je vais vous dire, hein, parce que bon, c'est pour resituer un peu tout ça dans le cadre du règlement actuel. L'article 9 de ce RGPD donne des précisions sur trois catégories particulières. Et ces catégories particulières, dont les données de santé, n'ont pas le droit d'être traitées, ne doivent pas subir de traitement d'information. C'est-à-dire que si vous avez des données qui sont des données de santé, si vous êtes en possession d'une base de données de santé, vous n'avez pas le droit de faire un traitement dessus pour en obtenir d'autres informations. Sauf, et évidemment, il y a des exceptions, parce que sinon, ça ne serait pas rigolo. J'en ai retenu que trois ici. Je les ai tous énoncés à la fin en annexe. Si vous voulez discuter de ça après, on pourra. Pour moi, les plus importants, donc, il y a la défense d'un droit. Si quelqu'un veut se défendre de quelque chose et qu'il faut avoir accès à des données de santé pour ça, vous ne pouvez pas refuser. Les intérêts vitaux de la personne, donc je n'ai pas précisé de la personne, mais voilà, si vous êtes dans le coma et qu'il faut savoir des choses sur vous, ça va passer au-dessus de votre droit à la protection de ces données. Et il y a le consentement explicite. Alors le consentement explicite, c'est pour moi un problème. Le consentement explicite, c'est ce que vous avez quand vous dites « oui, je veux bien naviguer sur le site parce que les cookies, ça ne me dérange pas ». On a la même chose pour les données de santé. Alors, qu'est-ce que sont exactement ces catégories particulières c'est ce qu'on appelle les données sensibles. En France, on parle plutôt de données sensibles en général.
Et dans le règlement, ils utilisent le mot catégorie particulière. Il peut y avoir une confusion avec le sens industriel d'une donnée sensible. Une donnée sensible, ça peut être des données boursières, le fichier client d'une certaine entreprise, etc. L'algorithme de Google, qui est une donnée sensible pour eux. Voilà. Donc il y a des choses que les industriels ne peuvent pas partager. Mais ici, on parle des données sensibles au sens de la loi informatique et liberté. Alors, la loi informatique et liberté, c'est celle que vous devez plutôt connaître parce que vous la voyez depuis quand même assez longtemps dans les petits alinéas. Elle parle de l'origine ethnique, elle parle de la religion, de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale, voilà, donc de toutes ces choses-là. Les données de santé, donc nous, on avait déjà une protection sur les données de santé avant le RGPD. Le RGPD vient le compléter avec, en plus, sur les données particulières, la biométrie et la génétique. Donc, ce qui est du coup pour nous plutôt un progrès en termes de protection de données, de protection sur l'intimité. Alors, l'orientation sexuelle, j'ai un doute parce que je crois que dans l'informatique et liberté, il y a aussi quelque chose là-dessus. Alors ici, c'est un jeu qui est assez marrant. Qu'est-ce qu'une donnée de santé maintenant? Parce que finalement, là, je vous ai donné tous les éléments qu'on a pour définir ce qu'est une donnée de santé. Alors finalement, est-ce qu'un rendez-vous chez un médecin? Alors là, je parle du médecin généraliste. Un rendez-vous chez votre médecin généraliste, vous prenez rendez-vous, est-ce que c'est une donnée de santé? Non. Alors, j'ai des oui. Il y a des oui, il y a des non. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, alors, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Donc, personne ne s'est plaint d'un partage de ces données en tant que rendez-vous chez un médecin. Et donc, ce n'est pas une donnée de santé. Il se trouve que il y a une interprétation qui peut être faite. Mais un rendez-vous chez un médecin, par exemple, ça peut être pour aller lui demander un certificat médical. Le certificat médical pourra être que tout va bien. On ne sait pas. Oui. Vous avez parlé au médecin généraliste. Le médecin spécialiste. J'ai rendez-vous chez un cancérologue. Est-ce une donnée de santé qui mérite une autre interprétation? Je vais y venir. Ça devrait. Si le rendez-vous chez le médecin généraliste est fréquent, ça commence à traduire quelque chose. Plus qu'un... Voilà, je vais y venir aussi. Il y a une notion d'enchaînement, de mise en relation des différentes données. Une hospitalisation, est-ce que c'est une donnée de santé? J'ai dit oui avant, mais si oui, sinon avant, moi je dis non. Alors si, ça va être une donnée de santé. Cette fois, ça va l'être. Et votre pouls? Donc Xavier a justement dit que le pouls, c'est quelque chose de très intime. C'est aussi une donnée qui est utilisée par votre médecin, ou même par vous-même, pour savoir si, ou là, par exemple, je dois être plus que d'habitude en ce moment. Alors, votre pouls n'est pas une donnée de santé. L'humain, adulte, je ne sais pas s'il y a une différence entre homme et femme pour cette donnée physiologique-là, et je crois bien, mais... donc, celle que j'ai vue, ça doit être pour l'homme, c'est entre 60 et 100 battements par minute. Donc, si je suis à 60 ou à 100, ça ne veut rien dire. Par contre, si d'habitude, je suis à 100 et que là, tout d'un coup, je suis à 60, il y a des chances que vous deviez appeler les pompiers parce que ça ne va pas bien aller. Donc, ça veut dire que votre pouls dans le temps, lui, ça va être ou pas une donnée de santé? Oui. Voilà. Si tu es à zéro, normalement, c'est une donnée de santé. Mais ça dépend. C'est de mauvaise santé. Et du coup, excuse-moi, quand tu dis oui, non, etc., c'est qui définit ça? C'est le juge? Eh bien voilà, je voulais en venir. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. Et justement, on a déjà vu que pour le premier, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas eu de jugement là-dessus, il n'y a pas de jurisprudence. Donc on ne sait pas. Donc ça, c'est selon toi? Là, c'est selon moi. Okay. Et c'est selon les usages aussi. C'est-à-dire que tout ce que je vois en général sur comment est-ce que les bases de données sont utilisées, on sent que les entreprises qui vont, par exemple, on va parler un petit peu de Doctolib, votre médecin est probablement aujourd'hui prend son rendez-vous chez Doctolib, on va considérer que Doctolib est plutôt dans la case des « on ne fait pas des données de santé parce que c'est juste des rendez-vous chez le médecin ». Voilà. Donc, du coup, ils ne rentrent pas dans tout le principe de réglementation, ils n'ont pas forcément l'interdiction de faire les traitements des données de santé, etc. C'est très, très, très limite.
Parce qu'en plus, en général, Doctolib, vous allez aussi mettre dessus, enfin, votre médecin, des fois, il ne le sait même pas. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, d'ailleurs. Ah, voilà, très bien. Donc, n'hésitez pas, hein, si il y a des choses que vous trouvez fausses par rapport à votre jugement, dites-le, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, avec Doctolib, vous allez peut-être pouvoir aussi mettre d'autres informations que juste le rendez-vous. Et là, ça va commencer à devenir compliqué. Est-ce que Doctolib traite les données de façon à ce que le rendez-vous chez le médecin peut-être va devenir une donnée de santé après. D'autant plus qu'on marque le motif de la consultation. Et est-ce que le motif est conservé sur des serveurs? Voilà. Ce sont effectivement toutes ces questions qu'il faudrait se poser. Et on ne sait même pas en fait qu'il faut se les poser. Moi, je sais qu'il faut se les poser aujourd'hui parce que je suis allé lire un règlement qui fait je ne sais pas combien de pages avec 173 considérants. Donc on rejoint un peu le côté c'est compliqué, laissez-nous faire. C'est dommage parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. On peut se faire une opinion dessus et après aller. Alors peut-être qu'il y a des jugements qui vont contredire ces opinions, mais au moins on peut discuter finalement assez facilement quand même. Donc le pouls dans le temps, je disais que ça dépend. Ça dépend parce que là, en ce moment, peut-être que moi, je suis quand même beaucoup plus que d'habitude, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation. Donc, j'ai senti, là, avant de venir, que mon pouls a augmenté. Mais bon, ça va quand même plutôt bien. Je n'ai pas de soucis. Il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, ça dépend. C'est peut-être pas une donnée de santé. Par contre, si en même temps que ça, il y a un système de géolocalisation, que le système de géolocalisation, il voit que vous n'avez pas bougé pendant la journée, que vous êtes toujours au même endroit et que tout d'un coup, vous avez une chute de votre pouls, là, il y a peut-être un problème. Peut-être. Donc, ça peut devenir une donnée de santé assez rapidement, finalement. Est-ce qu'une aptitude sportive est une donnée de santé? Alors, non. Le fait d'être apte à un sport ne donne pas d'informations sur votre santé. Elle donne une information peut-être à la rigueur plutôt fiable sur votre bonne santé sur certains points. Il y a du non-handicap dans certains cas. Par contre, une inaptitude sportive, effectivement, là on commence à avoir des informations assez fortes sur des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc vous voyez que ces données de santé, finalement, on peut les définir relativement simplement, mais donc le néanmoins ici, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en est sur l'utilisation derrière. Est-ce que ça va vraiment être considéré comme une donnée de santé ou pas? Donc il y en a certaines qui le sont clairement, il y en a d'autres qui ne le sont clairement pas. Et il y en a qui sont un peu justement borderline, et c'est là où ça peut devenir compliqué. Et de savoir, ça peut être intéressant de savoir si on veut les partager ou pas. En règle générale, dites-vous que tout ce qui se passe à l'hôpital, ça devient des données de santé. Là-dessus, il y a quasiment aucun souci. Donc, il va être intéressant maintenant de savoir, au moins de comprendre un peu ce qui se passe sur ces données. À qui est-ce qu'on va les transmettre? À qui donne-t-on toutes ces données-là? Alors, pourquoi c'est intéressant de se poser ces questions? Parce que, et ça, c'est même dans le RGPD, dans un des considérants, le 183, je ne sais pas, qui annonce que ces données, donc les données, les catégories particulières, sont à l'origine d'un risque qui peut être engendré par le traitement de ces données-là sur les droits et les libertés fondamentales. Donc tout à l'heure, on parlait des assurances. Si on sait que vous avez un problème, on peut augmenter votre police d'assurance, de mutuelle. On peut vous interdire des accès à certains lieux, en fonction d'une maladie ou pas. Donc, on a des discriminations, des choses qui sont quand même très graves et qu'on est censé protéger aujourd'hui par la loi et donc, évidemment, par ce règlement-là. Et donc, c'est pour ça que ces données-là sont traitées par exception uniquement. Le traitement est autorisé que par exception. Le problème, c'est que dans les exceptions, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le consentement et il est aujourd'hui très facile à obtenir. Par manipulation, de base, c'est ce qui se passe avec le bandeau des cookies, mais aussi tout simplement des fois en posant la question un peu à la va-vite, en faisant des choses qui vont bien, ou tout simplement en ne le demandant pas et en disant qu'on l'a demandé. C'est un cas qui est assez classique et qui se passe assez souvent finalement dans les hôpitaux. On s'en rend pas trop compte, mais
quand vous, si vous subissez une opération, par exemple, ou un examen d'imagerie, je vais être dans ma zone de confort un peu là, si jamais l'image doit être utilisée pour de la recherche derrière ou pour d'autres statistiques, etc., on doit demander au patient un consentement. Pour exemple, nous, on a commencé à le faire donc, quand on a fait notre logiciel. Ces données-là, la demande du consentement, donc on était deux dans l'entreprise à pousser un petit peu, ça a mis quelques mois avant de venir. Mais on a quand même des images qui nous viennent de patients qui n'ont pas donné leur consentement. Alors, moi, je vous rassure, de mon côté, j'ai pas trop de soucis parce que de toute façon, on anonymise, on pseudonymise. Je reviendrai là-dessus, moi. On va faire simple, on anonymise tout. Donc, j'ai pas eu d'informations sur ces patients-là. N'empêche qu'il y a énormément de startups de la medtech, de toutes ces belles choses qu'on nous vend aujourd'hui, qui font des études sur des images qui sortent des hôpitaux. Et très souvent, en fait, les patients ne savent même pas que c'est fait. C'est pas une règle générale, mais quand même, ça arrive. Voilà. On parlait tout à l'heure des rendez-vous pour les spécialistes. Évidemment qu'un rendez-vous chez un spécialiste va être une donnée de santé. En tout cas, dans les usages, c'est une évidence. Les rendez-vous spécialistes, ce sont des données de santé. Vous allez chez un cardiologue, même si c'est pour que le cardiologue vous dise que tout va bien, n'empêche qu'il y a une suspicion quelque part qui vous a dit « allez voir un cardiologue ». C'est là où, quand on dit on est borderline, on est là-dessus. Mais dans les usages, le rendez-vous spécialiste est une donnée de santé. Dans un hôpital, il est d'autant plus. Et donc, dans les données de santé, où vont vos données? Évidemment, il y a tous les dossiers médicaux. Le contenu de vos dossiers médicaux dans l'hôpital, c'est une grosse besace de données de santé. Alors, pour revenir aux examens d'imagerie, on utilise un format qui s'appelle le format DICOM. Si vous avez fait des radios, si vous avez passé des radios il y a encore, je dirais, une dizaine, quinzaine d'années, on n'utilisait pas forcément le numérique systématiquement. Aujourd'hui, maintenant, c'est systématiquement du numérique. Donc, ça veut dire que ces images-là sont numérisées, sont mises dans des bases de données. Donc, sous format, on a donc le format DICOM, et sont ensuite archivées dans un système qu'on appelle, dans un hôpital, ça s'appelle le PACS. Le PACS pour le système d'archivage de communication des images. Alors, si c'est votre dossier médical, ça peut être gardé à vie. Voilà. Ce sont vos images quand même. Normalement, vous avez droit d'accès à tout ça. Après, vous pouvez avoir des clauses qui disent que les images numérisées ne sont pas conservées plus de 2 ans. On est un peu sur ces choses-là, techniquement pour faire un peu de place aussi. Par contre, ce qui va être conservé, ça va être le rapport du radiologue. Alors, pour vous donner un exemple, là, c'est un petit peu le côté technique de la chose. Ça, c'est... tout à l'heure, on parlait de métadonnées. Vous avez une image. Une image, c'est une suite de pixels qui va être décrite avec une certaine intensité. Donc ça, c'est une partie d'un fichier d'image. Et dans ce fichier, vous allez avoir aussi toutes ces métadonnées qui vont donner des informations sur le patient. Alors là, moi, j'en ai subi quelques-unes des images. J'ai quand même fait attention d'enlever les données sensibles, celles que je considère intimes. Remarquez que j'ai enlevé ma date de naissance, mais j'ai laissé le poids. Donc moi, je considère que mon poids n'est pas une donnée intime. En plus, c'était il y a longtemps, j'ai maigri. Pas trop. Mais c'est des choses qu'on trouve. Alors là, j'en ai mis combien? Il y en a 7. Je crois qu'on en est à 500 et quelques champs prédéfinis en DICOM. Voilà. Vous allez avoir éventuellement votre numéro de sécu, votre adresse, le médecin qui a prescrit l'examen, le type d'examen. Éventuellement, une des images pourra être le rapport du radiologue, donc avec sa conclusion. Voilà. Vous avez toutes ces choses-là. Je suis arrivé un coup dans un cas où j'avais une image où la partie de données images était plus petite que la partie des métadonnées. Autant vous dire que j'ai soufflé dans les bronches parce qu'en plus, ce n'était pas anonymisé. Donc, j'avais en plus toutes les informations, numéro de téléphone du patient. Enfin, bon, c'était la totale. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous allez passer un examen d'imagerie. Vous ressortez de là, le radiologue vous donne votre compte-rendu. Peut-être que tout va bien.
N'empêche que votre image est quelque part avec toutes ces informations-là. Et comment peut-on avoir accès au dossier médical ? C'est compliqué. Normalement, il suffit de le demander. À l'hôpital où vous avez passé votre examen. Voilà. Moi, j'en ai un de 2000 et quelques, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Et normalement, c'est affiché clairement dans l'hôpital avec les coordonnées du DPO et tout ça. Normal. Voilà. C'est à peu près aussi rigolo que d'aller dans un commissariat porter plainte après une affaire policière. Oui, oui, non, c'est ça. Non, mais, c'est pas anodin de dire ça, parce que quand je dis moi, j'ai essayé, c'est-à-dire que justement, j'avais une opération un peu compliquée. Une opération un peu compliquée. Et il se trouve qu'il y a eu des complications. C'était compliqué. Donc il y a eu des complications. Ça arrive. Alors moi, je n'ai pas eu de greffe envers le chirurgien. Je suis toujours là, pas de souci. Mais il m'avait dit, oui, vous inquiétez pas, c'est un petit saignement, pas de souci. Ça, c'était 2003. Donc l'opération m'a valu quand même de faire un checkpoint 10 ans après. Donc je suis retourné voir un autre médecin, puisque lui était à la retraite. Il m'a dit, oh, bah, c'est bizarre quand même que vous ayez besoin de repasser sur la table d'opération. Et je lui dis, il m'a expliqué, c'est un petit saignement. Et lui a pu retrouver mon image, parce qu'il était, il était directement dans les archives. Et il m'a dit, non, ce n'était pas un petit saignement, c'était une grosse hémorragie, en fait. Voilà, donc j'ai mieux compris pourquoi tout d'un coup, morphine, passage aux urgences, machin, enfin bon, bref. Mais n'empêche que moi, je n'avais pas eu accès à ces informations-là. Et donc, et peut-être que le médecin n'avait pas envie que j'aie accès à cette information-là, parce que, a priori, il y aurait peut-être eu une faute de sa part. Non, parce que si si on me dit quelque chose pour me rassurer au moment où j'ai le problème et qu'on me dit c'est pas grave, on va le résoudre, oui. Dire c'est pour être serein, pour calmer un peu le jeu, très bien. On gère la situation, vous inquiétez pas. Mais après, d'expliquer ce qui s'est passé, c'est la moindre des choses. Et là, il a donc. Alors, Patient ID, c'est quelque chose qui est spécifique à l'hôpital. Donc, je peux avoir, si je vais passer d'ailleurs, plein d'autres examens d'imagerie, j'en ai pas un identique. Donc ça permettrait dans un hôpital de vous identifier par rapport à ce même hôpital-là. Voilà. Ça peut être, par exemple, si je change de nom de famille ou des choses comme ça, dans cet hôpital-là, je serai toujours le même patient pour eux. Donc c'est assez intéressant parce que finalement on voit que là des notions qui peuvent être assez vues comme très progressistes pour certains, comme le changement de sexe ou des choses comme ça. Finalement, je pourrais changer de sexe, je serais toujours le même patient dans cet hôpital. Ce qui est donc pour moi plutôt une bonne chose. Mais par contre, c'est pas du tout un numéro d'identifiant national, international ou voilà. On vous identifie pas dans la rue à partir de ça. Par contre, on identifie quand même déjà beaucoup de choses. Et là, comme je vous dis, j'en ai mis vraiment, vraiment pas beaucoup. D'un autre registre, on a les analyses biologiques. Alors, les analyses biologiques, évidemment, ça va être des données de santé. Ne serait-ce que parce que même si les analyses disent que tout va bien, ce sont des données qui peuvent être traitées ultérieurement avec peut-être d'autres algorithmes, peut-être d'autres connaissances aussi sur les pathologies pour finalement dire, ah oui, non, si vous n'alliez pas si bien que ça, en fait. On pense un peu au cholestérol, où je crois qu'il y avait eu des façons de diagnostiquer qui n'étaient pas forcément adaptées ou qui étaient un peu erronées. Enfin, il y a eu des choses, c'est plus mon père qui avait connu ça, moi. Mais voilà. Donc, ce sont des données de santé et elles vont être archivées par le laboratoire. Alors, vous avez tous, peut-être pas tous, en fait, c'est mon exemple personnel, mais reçu le petit papier en essayant de comprendre ce qui se passait pour... Et puis après, aller chez le médecin pour lui demander d'expliquer. Alors, c'est archivé par le laboratoire, c'est envoyé au prescripteur, le médecin disait « oui, je l'ai déjà ». Parfait. Et donc, envoyé au patient. Donc, quand c'est papier, c'est très bien, parce qu'on maîtrise un peu ça. On maîtrise un peu. Mais maintenant, la tendance, c'est de mettre tous ces résultats d'examen-là en ligne. Alors, ce sont des données de santé qui sont en ligne. Voilà. Après, tout est dit, ça veut dire que ces données-là, elles peuvent être piratées, elles peuvent être exploitées, elles peuvent être traitées, tout ce que vous voulez. Oui, si, ouais, j'avais pas lu les détails de ça, mais j'ai vu qu'il y avait eu quelque chose.
Alors, je vais en revenir un petit peu, je vais revenir un petit peu après là-dessus, puisque heureusement, il y a des choses qui limitent les risques là-dessus, et c'est pour ça que les données de santé sont une catégorie particulière de données, puisque ce sont des données sensibles. Donc, les gens qui stockent ces données-là, elles ont quand même des obligations autres que la photo sur Facebook. Mais on l'a vu tout à l'heure, la photo sur Facebook, c'est pas si anodin que ça non plus. Alors, il se trouve qu'on considère que les données de santé sont des données plus sensibles qu'une photo. Où vont aller vos données? Vous avez également peut-être entendu parler... Oui. Dans votre titre, vous mettez « dossier médical partagé ». Oui. N'est-il pas personnel? Et non, il ne l'est plus. Le dossier médical personnel était créé dans les années 2005, je crois. Je ne sais plus qui était à l'époque... je ne sais plus quel ministre avait lancé ça, Douste Blasi peut-être. Je crois bien que c'était Douste Blasi. J'étais jeune, très très jeune. Et qui avait lancé le dossier médical personnel, qui a été un flop deux fois, 2003, non, 2000, je ne sais plus, avant 2005 et en 2008 aussi, il avait relancé le truc. Enfin, pas lui, peut-être son suivant. Et donc ça a été des flops parce que les médecins ne l'utilisaient pas. Alors peut-être que vous aurez des explications sur pourquoi c'est pas utilisé par les médecins. Moi, j'en ai en tant qu'utilisateur, en tant que patient et en tant qu'informaticien. Mais l'avis des médecins est important et il n'est pas forcément pour l'utiliser. Mais depuis 2016, c'était repris par la CNAM. Je crois que c'est la CNAM qui a repris le bébé et qui l'a appelé du coup maintenant un dossier médical partagé. Alors partagé parce que, comme je vous dis là, c'est un gros pavé de bonnes intentions. Le principe, c'est d'organiser un peu mieux la prévention des soins, de proposer une continuité des soins qui soit plus fluide, on va dire. C'est-à-dire que quand vous allez chez un médecin, il retrouve directement votre dossier chez le cardiologue, etc. Comme si on ne pouvait pas le faire jusqu'à maintenant. Et la coordination des soins, si vous êtes dans un hôpital et que vous avez besoin d'aller passer un examen d'imagerie ailleurs parce que la technologie n'existe pas à cet endroit, c'est beaucoup plus facile, a priori, avec ce type de technologie-là, d'organiser tout ça. Moi, personnellement, vu ce que j'ai vécu ces quelques 15 dernières années, je n'ai pas eu de soucis en termes de prévention, de continuité et de coordination. Mais bon, il se trouve que c'est quand même une idée d'améliorer tout ça. Peut-être que moi, j'ai eu que de la chance, hein, j'en sais rien. Mais il se trouve que le principe même du dossier médical partagé est critiquable par sa technique, la technologie qui est derrière. Ce qui est mis en place, c'est un dossier qui est centralisé. C'est-à-dire que tout ce qui va vous arriver va être centralisé quelque part. Alors, quand je dis centralisé, je ne sais pas s'il y a des informaticiens spécialistes des bases de données. Évidemment qu'il y aura, j'imagine, des bases de données qui seront un peu disséminées, etc. C'est de la sécurité de base, on va dire, mais... Ça, c'est pas mon sujet. N'empêche que le service est centralisé et l'accès se fera par des outils qui sont proposés par la CNAM. Et c'est tout. C'est-à-dire que du coup, on va avoir potentiellement une focalisation des attaques pirates. Alors ça, c'est parce qu'on est les gentils, les méchants. Mais simplement des fuites parce que quelqu'un a oublié de fermer une base de données, de mettre un accès correct. Voilà, on peut avoir des choses comme ça qui sont liées à la centralisation, qui ne sont pas forcément... qui peuvent être assez graves finalement. Et en plus, avec une centralisation de ce type-là, on a une mainmise par une institution sur toutes ces données-là. Donc si un jour il y a quelqu'un qui décide de vendre ces données, on l'a entendu tout à l'heure, et ben, tout est là au même endroit et c'est disponible pour tout le monde. Enfin, tous ceux qui veulent acheter. Une autre chose qui est critiquable sur ce dossier médical partagé, donc là on va plutôt aller sur les notions d'intimité qui peuvent vous poser problème tout à l'heure, c'est que définit une matrice d'accessibilité. Alors là j'ai mis le lien dans la présentation qui sera partagé sur le site du centre social. La matrice d'accessibilité, non j'ai pas mis le lien, je vous le mettrai. Donc, la matrice d'accessibilité, c'est ce qui va définir qui a le droit d'accéder à quelles données. Mais ce n'est pas vous qui le définissez. Voilà. Dire que
on va considérer que si vous, vous avez été opéré dans tel hôpital à tel endroit, eh ben, ce service-là aura accès. Alors peut-être que ce sera que les internes et le médecin. Mais peut-être vous n'avez pas envie que les internes ils voient votre dossier médical. Peut-être que dans les internes, il y a votre fils. Il a pas envie, vous n'avez pas forcément envie que votre fils voit que vous avez passé des examens qui sont peut-être... voilà. Enfin, c'est pas vous qui allez décider qui accède à vos données. Et a priori, ça fait quand même partie des griefs assez importants sur le dossier médical partagé. Alors, il y a le docteur Philippe Améline, que j'avais suivi quelques temps, qui a bon, certaines positions... on peut être ou pas d'accord avec lui, n'empêche que sur le dossier médical partagé, il a fait un très beau travail de documentation avec justement tout cet historique-là dont on parlait tout à l'heure qui présente un peu tout ça. Donc j'ai mis le lien aussi vers son site pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Ah bah si, j'ai mis les deux liens, c'est ça. Donc vous avez une présentation ici du dossier médical partagé, donc vraiment les données de santé, là on est en plein dedans, avec... une présentation du, je sais pas, le département information médicale, c'est un département, une région, je sais plus laquelle, qui a mis ça, c'est une présentation de la CNAM, donc qui dit regardez, c'est bien. Et vous avez aussi les commentaires du docteur Améline qui explique que c'est peut-être pas si bien que ça quand même. Alors ça peut être aussi justement une raison d'un nouvel échec du dossier médical partagé. Alors si vous voulez peut-être dire un petit peu quelques mots sur le dossier médical, le DMP, oui. La liste. Bonjour, Alain Bouix, médecin. Je suis nouveau quimpérois, mais en fait, je viens d'Amérique. Par rapport au dossier médical partagé, il faut bien comprendre qu'il y a eu un gros problème, je vous posais d'emblée, sur personnel ou partagé. Il a d'abord été personnel parce que la loi considérait que vous êtes propriétaire. Je considère pour vous d'ailleurs que vous êtes propriétaire de vos données médicales. Et donc, ensuite, ça veut dire que si vous êtes propriétaire de vos données médicales, qu'est-ce que l'on met dedans? Et il y a eu des aléas dans le dossier médical personnel par rapport à le fait que est-ce que l'on met tout dedans? Est-ce qu'on met que ce qu'on a le droit de mettre, l'autorisation du patient qui nous donne le droit de mettre? Mais à ce moment-là, si le dossier médical personnel puis partagé n'est pas exhaustif, est-ce qu'il a une utilité? S'il y a des informations qui manquent, il y a des trous d'informations parce que vous, en tant qu'individu propriétaire de vos données médicales, vous dites ça, on n'est pas dedans, à quoi cela sert-il de faire un dossier médical partagé puisque les autres, les personnes, disons, qui auront accès à la matrice d'accessibilité, qui seront peut-être en train de lire votre dossier, ne pourront pas être pertinents parce qu'ils manquent des données. Vous avez cité aussi dans le dossier médical partagé, est-ce que c'est aussi par rapport aux ayants droit, est-ce que mon fils a le droit de tout voir, fut-il le médecin, ou mon épouse a-t-elle le droit de tout savoir, y compris par exemple mon rendez-vous chez le cancérologue, fut-elle mon épouse? On a bien vu la problématique, là, plusieurs années de suite, sur le droit à mourir décemment, sur lequel, à qui appartient le droit de notre devenir médical. Pour en revenir au dossier médical partagé, il faut quand même bien comprendre qu'effectivement, c'est sûrement une bonne intention pour éviter les interactions et les problèmes de iatrogénie des données médicamenteuses, ou effectivement de surcoter ou de faire de nouvelles fois des examens qui sont de plus en plus onéreux. Là, je lance un coup d'œil à celui qui fait de l'imagerie médicale qui devient effectivement de plus en plus cher. Est-il à chaque fois plus pertinent? C'est vrai la question. Mais donc, le dossier médical partagé a un bon avenir, mais il est vrai que la société civile, c'est-à-dire que les patients, doivent quand même s'interroger sur savoir qu'est-ce qu'on pourra en faire, même si l'introduction du big data, voire à la suite l'intelligence artificielle, permettra probablement d'avoir un meilleur soin au meilleur coût. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le vend sur le dossier médical partagé, de manière à ce que la prise en charge globale de la population, je parle de la population en tant que
nombre d'individus, mais individuellement, est-ce qu'on va restreindre nos libertés? Je m'arrêterai là par rapport au dossier médical partagé ou personnel. Merci. Alors, dans les sources de données de santé, on a également les dispositifs médicaux, eux, qui sont, lorsque vous avez peut-être entendu ou vu le cache d'investigation sur implant files, qui est très critiquable sur le contenu, cette fois-là, c'est une grosse déception, pour en discuter après, puisqu'on est en retard. Mais pour les dispositifs médicaux, on a un règlement qui va arriver, du même titre que RGPD, qui est le RDM, et qui cite justement le RGPD par rapport aux données de santé. Le RDM, c'est un règlement sur les dispositifs médicaux. Sachant que les dispositifs médicaux peuvent être purement logiciels. Alors, tout ce qui sort d'un dispositif médical, une pompe à insuline, toutes les données qui peuvent sortir d'un dispositif médical sont des données de santé, sont réputées être données de santé. L'inverse n'est pas forcément vrai. Ce qui est données de santé ne vient pas forcément d'un dispositif médical, et heureusement. Alors, justement, où est-ce que vont aller les données ? À la base, on a quand même encore aujourd'hui l'utilisation du papier, donc ça c'est très old school, hein. C'est l'archivage papier. Vos données vont être archivées quelque part, mais de plus en plus elles sont stockées sur vos appareils, ordinateur, téléphone, etc. Ou vos appareils, dispositifs médicaux que vous auriez à la maison si vous faites une hospitalisation à domicile ou ce genre de choses. Mais également sur les serveurs des entreprises. Alors on l'a vu pour les laboratoires d'analyse médicale, ces serveurs-là sont quand même obligé de suivre alors c'est pas un règlement, il y a une certification, ils doivent être certifiés par un organisme indépendant et certifiés hébergeurs de données de santé. Alors vous avez la plupart des CHU qui le sont, qui ont quand même suivi les processus qualité qui leur permettent d'être certifiés hébergeurs de données de santé. Certains ne le sont pas, ils ont créé des consortiums pour avoir ça, pour avoir les moyens de se mettre au pas, parce que c'est quand même beaucoup d'investissements de cybersécurité, matériel, humain, parce qu'il faut embaucher des gens qui gèrent ça. HDS, hébergeur de données de santé, c'est quasiment bunkeriser un serveur. C'est pas anodin. Donc, si vous êtes avec des données de santé, il y a peut-être déjà un petit espoir là-dessus, c'est que vous savez que vos données sont dans un endroit qui est plutôt sécurisé. Alors, je dis plutôt sécurisé parce qu'on est quand même sur les problématique de cybersécurité aussi. Et là, là, il y a un moment où voilà, il peut se passer certaines choses. Et il peut aussi se passer que la loi évolue. Donc ça c'est encore un autre problème. Et sinon, et ça, c'est justement le côté borderline et qui peut être problématique, c'est que vos données de santé vont se retrouver sur le cloud. C'est tous ces ordinateurs qui sont un peu partout, qui ne vous appartiennent absolument pas, sur lesquels vous allez mettre toutes vos données. Donc le IoT, alors là c'est la diapo des anglicismes magnifiques. Donc le IoT, c'est Internet of Things, ce sont tous les objets connectés. On pense à la montre connectée, j'en parle un petit peu, mais du coup là je vais peut-être pas avoir le temps, mais on pourra en discuter à part. Le QS, c'est le Quantified Self. Si vous avez suivi un petit peu les pérégrinations des transhumanistes, le quantified self, c'est le côté je veux tout numériser, ce qui arrive sur moi, donc mon pouls, tout. Je veux savoir tout numériser, mon activité. Et ça va de pair souvent avec le mHealth, la santé mobile. Donc tout ça va produire énormément de données, donc on est un peu dans le big data, et qui sont très souvent des données de santé, du coup, puisque vous produisez beaucoup de données, vous pouvez les recouper, réidentifier. À partir de là, si vous pouvez identifier quelle personne a produit quelles données qui ont un rapport avec une donnée physiologique ou quoi que ce soit, ça devient des données de santé. Donc c'est là où ça va commencer à être un peu problématique, parce que effectivement, vous commencez à donner des données qu'on appelle sensibles et pas pour rien, sans vraiment trop le savoir. Alors tout à l'heure, il y a une question sur l'identifiant dans l'imagerie médicale. Cet identifiant-là n'est pas important. Ce qui est important, c'était plutôt mon nom dans ce cas-là. Puisque ce nom peut être après récupéré, mis avec ma photo d'identité qui aura été récupérée sur ma carte d'identité que j'ai mis en ligne pour pouvoir la réimprimer facilement. Alors je l'ai mis sur mon serveur perso, mais n'empêche que je peux me faire pirater, enfin bref, il y a toutes ces choses-là. Donc on peut facilement quand même identifier certaines choses, et ça peut être problématique. Alors il y a un cas d'école qui est l'application Runkeeper. En 2016, c'est une application... Runkeeper, c'est une application pour ceux qui font du footing. Donc ça trace votre... moi, j'en fais pas, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des mots pour ça, mais ça trace votre trajet.
Et ça va vous donner vos performances. Donc, vous pouvez même faire sur le temps, c'est assez génial. Sur le temps, vous pouvez voir que vous faites un kilomètre de plus, un kilomètre de moins, un peu plus vite, un peu moins vite, etc. Donc, évidemment, il y a la géolocalisation pour ça, puisqu'il faut savoir où vous allez. Pas forcément, l'application ne va pas forcément être intéressée par votre position absolue en France, mais par contre, le fait que vous êtes déplacé de temps. Mais n'empêche que vous avez la géolocalisation. Il se trouve que cette application-là, la Norvège, donc c'est l'équivalent de la DGCCRF, donc répression des fraudes, s'est rendu compte en Norvège que l'application envoyait la géolocalisation des utilisateurs même si on avait désactivé l'application. Alors pas désactiver la géolocalisation, hein, désactiver l'application. Donc bah, c'est quand même un gros problème. La bouche en cœur 4 jours plus tard, les développeurs, donc je ne sais plus, c'est Ron, je ne sais pas quoi, qui fait ça, qui sont des Américains, disent oui, oulala, on avait vu un bug, on l'a corrigé. Alors oui, ils l'ont corrigé. Il se trouve qu'avec l'outil Exodus Privacy, que vous allez avoir une présentation dans 2 minutes, j'espère. Bah, si tu veux, je la commence, hein, comme ça. Voilà. Il se trouve que cette application-là possède toujours aujourd'hui 7 pisteurs que vous ne maîtrisez absolument pas et 16 permissions qui sont demandées juste pour aller courir dehors. Alors, les permissions, vous allez peut-être le voir après, c'est assez inquiétant. Par exemple, si vous allez courir, il veut connaître le contenu de votre agenda. Voilà, c'est très utile. On peut penser qu'il y a certains bons élèves, une application de fréquence cardiaque. Donc le principe, c'est vous mettez votre doigt sur la caméra et avec le flash allumé, et ça mesure par variation de la luminosité, ça va mesurer votre fréquence cardiaque. C'est assez ludique. Moi, je l'ai fait avec une application qui n'est pas issue de là, qui est une application libre. Et donc, celle que j'ai trouvée là, je dis, ah, 0 pisteur, 3 permissions. 3 permissions, pourquoi ? Elle demande la caméra. Ah bah oui, la caméra, c'est normal. Il y a le vibreur qui était demandé. Alors peut-être qu'il y a une alerte sur le fait qu'avec la lumière, ça peut chauffer, donc il faut faire attention, à un moment, il faut l'enlever quand même. Et puis ça demandait quand même une permission pour aller sur Internet. Alors pourquoi ? Eh bien pareil, on ne sait pas. On ne sait pas parce que ce ne sont pas des applications libres. Et donc là, on a une application qui est en roue libre, un peu le style de Runkeeper. C'est un podomètre, donc il compte le nombre de pas que vous faites, qui dit « Ouais, c'est super, vous avez fait 5000 pas aujourd'hui. » Et pour ça, vous avez besoin d'avoir donc une application qui ne nécessite aucune connexion requise, c'est sur leur page de présentation de l'application. Mais il faut quand même leur donner la permission d'aller sur Internet. Il faut aussi leur demander, alors que vous n'avez aucune fonctionnalité verrouillée, c'est-à-dire que c'est 100% gratuit, ils demandent quand même la permission vers les systèmes de commerce. Alors, je sais pas, j'ai jamais utilisé ces choses-là dans les téléphones pour acheter en ligne directement dans les applications. Donc, il faut des permissions pour ça. Heureusement qu'il faut une permission, mais ils la demandent. Et puis, en général, ce que vous faites, je pense, tous, quasiment, c'est que vous dites oui, je veux bien. Alors là, sur l'Apple Watch, je vais aller très très vite. L'Apple Watch, c'est donc un IoT, donc Internet of Things, qui fait tout. ECG, pulse, le pouls, la détection de chute qui vous prévient sur les habitudes alimentaires, etc. À tel point que c'est devenu un DM, c'est devenu un dispositif médical. Apple a dû se plier aux règles européennes, puisque en fait leur montre était quand même vraiment un peu allée trop loin sur l'explication. Il faut savoir qu'aux US, pas du tout. Aux US, l'Apple Watch n'est pas un dispositif médical, il passe pas dans les réglementations. Mais ils ont quand même une obligation de certaines choses. Donc c'est un DM. Alors je vous ai mis pareil le lien vers les instructions d'utilisation, parce que vu que c'est un DM, il y a un règlement à suivre. Alors moi je l'ai bouffé ce règlement, puisque nous aussi on est DM. Et donc il y a une partie qui est très importante, qui sont les indications d'utilisation du DM, qui sont hyper importantes. Si on ne les écrit pas bien, on n'a pas la certification. Donc c'est pas anodin. Et donc ils ont été obligés de dire qu'il ne faut pas utiliser l'ECG pour diagnostiquer des conditions qui sont liées au cœur. Voilà, bah, je pense que ça dit à peu près tout. Effectivement, si on regarde l'utilisation, à 85%, le CG, il est efficace. 85%. Alors, ils disent, oui, comme ça, peut-être qu'on pourrait prévenir des crises cardiaques. Et après, alors, je l'ai pas mis celle-là non plus, mais c'est marqué, n'est pas utilisable pour prévenir des crises cardiaques. Enfin, quelque chose en anglais, donc stroke. Voilà. Oui. Alors, ECG, c'est électroencéphalogramme.
cardiogramme, j'étais dans mon cerveau, ce qui permet justement de voir l'activité électrique pour voir comment bat le cœur. Donc tout à l'heure, tu en parlais, Xavier, effectivement. Le pouls, c'est une première information qui est simplement les battements par minute. Donc c'est ce qu'on entend en général, c'est ce qui est, quand on ausculte, c'est ce qu'on entend. Et le CG, lui, c'est fait avec les signaux électriques. Donc l'Apple Watch a un petit capteur qui est capable de faire une boucle fermée et donc qui voit l'activité électrique et qui en déduit l'activité électrique cardiaque. Voilà. Donc c'est de là qu'ils arrivent à avoir un ECG qui a priori est à peu près correct, mais ça reste à peu près. Et voilà. Donc, ça va mettre les médecins au chômage ? Non. Non, ça va simplement faire, et c'est un peu un problème, c'est que ça va faire croire à des gens qui sont en sécurité sanitaire, en disant « Oh oui, moi c'est bon, j'ai ma montre, j'ai mon Apple Watch ». Ouais, mais en fait, peut-être que dans un cas sur cinq, s'il y a un problème, l'Apple Watch ne le verra pas. Et un cas sur cinq, pour quelqu'un qui est sujet à avoir des problèmes, c'est beaucoup trop. Voilà, donc ça, c'est justement, je voulais en venir sur les risques. Alors ça, c'est des risques sur les données de santé qu'on donne un peu partout, qu'on a on croit qu'on a des données qui sont fiables, etc. On se croit en sécurité, mais en fait, pas forcément tant que ça. Tant que ça n'a pas été analysé et traité par des personnes compétentes sur ces sujets-là, je parle évidemment des médecins, des laboratoires d'analyse, des radiologues, des ingénieurs comme moi, qui sont spécialisés dans le traitement d'image. Moi, il ne faut pas me demander de traiter de l'ECG, par exemple. J'ai fait du traitement du signal, mais c'était il y a longtemps. Donc moi, je peux vous traiter des images médicales, mais pas pour faire un diagnostic. Je peux vous dire que dans certaines parties d'image, vous aurez des problèmes. Mais c'est toutes des données qui sont très importantes et que vous allez peut-être oublier parce que finalement, vous avez plein d'outils qui vous donnent plein d'informations, pas forcément fiables, mais on croit que ça l'est. Mais finalement, le pire là-dedans, c'est que vous allez peut-être aussi... donc maintenant, vous avez conscience que c'est quand même énormément diffusé. Et donc, si c'est diffusé, ça peut être traité par d'autres personnes. Donc, ce sont des informations, des données qui sont transmises. Et si c'est exploité, par exemple, par les sociétés d'assurance, on imagine ce qui pourrait se passer. Alors, aujourd'hui, heureusement, la loi santé, donc celle qui a été mise à jour en 2016, je crois, même plus récent que ça, 18, la loi interdit la promotion et l'exclusion des garanties de contrat. C'est-à-dire que on ne peut pas vous faire payer plus parce que vous avez une donnée de santé qui ne va pas dans le bon sens. Aujourd'hui, la loi l'interdit. Donc ça, c'est plutôt un bon point, on va dire. Elle n'interdit pas l'inverse. Effectivement, le côté... la mutuelle qui dit « vous payez moins cher si vous utilisez l'application ». Au début, c'était justement, ça a été très critiqué. Il y a des juristes qui disaient « ah mais non, mais on ne peut pas parce que c'est une exclusion de garantie ». Mais non, ce n'est pas une exclusion de garantie. C'est simplement qu'on fait une petite promotion pour les gens qui sont bien et qui font ce qu'on leur demande et qui nous filent plein de données. Bon, après, on ne sait pas ce qu'ils en font parce que normalement, ils n'ont pas le droit de les traiter s'ils sont pas HDS, hébergeurs de données de santé. Donc, on ne sait pas ce qu'ils en font. Et ça, on a des problèmes là-dessus aussi. Et ça reste qu'une loi. Donc, c'est modifiable. On a les lobbies qui peuvent être là derrière, des lobbies positifs, négatifs. Ça peut être abrogeable, amendable, etc. Ça reste juste une loi et c'est mobile. Voilà. Et donc, tout ça, cette promotion exclusion de garantie de contrat, ça concerne que ce qu'on appelle le SNDS. C'est un système de données de santé. Donc, en fait, c'est là où des données sont centralisées. Finalement, la loi ne dit pas grand-chose sur les applications, comme l'Apple Watch que je viens de vous montrer, ou même simplement aller naviguer sur Internet et vous mettez une petite information. Vous recevez un mail qui vous demande, je ne sais pas, une petite information qui paraît anodine comme ça, vous la donnez, finalement, on se rend compte que ça devient une donnée de santé. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on a dans tout ça des problèmes de centralisation, on a des problèmes de fuite de données avec le piratage. Bon, ça, je vais rapidement là-dessus parce que finalement, je pense que maintenant, on est assez conscient des risques qui sont liés à la cybersécurité, même si des fois, on en fait peut-être un petit peu trop, mais n'empêche que les risques sont là. Les problèmes de réidentification, ça, c'est ce qui peut permettre de rendre des données qui étaient anonymes plus anonymes et donc devenir des données de santé qui vous concernent. Et c'est là où ça peut être un problème. Et évidemment, donc les discriminations, on en a parlé tout à l'heure. Alors, un salaire, effectivement, on peut se dire que telle personne n'aura pas sa promotion parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans sa famille, sur tout une TFU et demi, ils ont des gros problèmes héréditaires de longévité et qu'en fait, il ne passera pas les 40 ans. Donc, je ne vais pas lui faire une promotion maintenant.
Je rigole pas en disant ça. Enfin, c'est un fait. C'est avéré. Il y a eu des choses là-dessus. Oui. Oui, c'est grave. Et pareil, donc je vais être assez rapide sur les solutions, parce que finalement, Stéphane et Xavier en ont parlé beaucoup, et je vais juste remettre une couche dessus. Dans les solutions que moi j'ai appelées solutions citoyennes, on a la vigilance. Alors, je ne vais pas forcément dire qu'il y a des gens qui disent faut pas les élections, c'est pourri, etc. Pourquoi pas? Ce n'est pas le problème. Il faut juste être vigilant sur ce qui se passe. Vous êtes quand même dans une société, il se passe des choses. Voilà, il faut voir à peu près ce qui se passe quand même. Suivre un peu, entendre parler des lois. Ce que vous faites aujourd'hui, finalement, c'est pour ça que j'ai l'impression de prêcher un peu des convaincus quand même. Mais c'est un peu l'idée, de suivre l'actualité, etc. Le niveau plus, c'est de s'impliquer dans des associations. On a des très, très beaux exemples aujourd'hui. Et je les félicite pour tout ce qu'ils font, d'ailleurs. C'est vraiment du super travail. Et c'est essentiel. Dans une société comme la nôtre, il faut avoir ces associations-là. Donc, on va reciter la Quadrature du Net, on va reciter Framasoft, le Centre Social des Abeilles, évidemment, Exodus Privacy. Alors là, je parle plus de la discrétion. Maintenant, vous allez avoir des outils aussi pour savoir un petit peu ce qui se passe sur votre téléphone, sur vos ordinateurs et chez votre médecin. Maintenant, vous savez un petit peu ça, peut-être poser ces questions-là, sans dire « Ah ben non, vous n'êtes pas sur des logiciels libres, je ne viens pas ». Mais au moins poser la question et peut-être faire prendre conscience qu'il y a des questions qui se posent et qu'on s'y intéresse. Et dans les solutions techniques, alors pour moi, la solution qui résume un peu tout, alors je suis un peu caricatural là-dessus, mais la solution de base, on va dire, ce sont les logiciels libres. Donc c'est ce que fait Brigitte en vous donnant des ordinateurs sur Linux, c'est une très bonne chose. Quand vous avez un logiciel qui est libre, vous êtes maître de ce qui se passe dedans. Alors vous n'avez pas la compétence. Moi, j'ai peut-être 10% des compétences pour faire marcher un système d'exploitation correctement. Pourtant, j'ai fait des études là-dedans. Ce n'est pas le problème. Au moins, vous savez qu'il y a des gens qui sont compétents pour le faire et qui sont indépendants de celui qui vous l'a vendu. Ou pas vendu, mais libre, ça ne veut pas dire gratuit. Et donc, ces logiciels libres, vous pouvez les retrouver chez votre médecin. Je crois qu'il y a... Alors, Capu, est-ce que Capu est là? Non, d'accord. Je ne le connais pas. Je sais que c'est un médecin de Saint-Brieuc, c'est ça? Voilà, qui va venir présenter jeudi, alors plus pour le niveau professionnel, je ne serai pas là, hélas, mais voilà. Donc là, ça va vraiment être une présentation là-dessus. Les logiciels libres, ça peut être sur votre téléphone aussi. Alors même si vous êtes avec Android, vous pouvez utiliser des applications qui sont hors Google, etc., avec le dépôt F-Droid, donc ça vous aurez des ateliers. Et une des solutions, alors j'y ai pensé ce matin en écoutant Stéphane, c'est effectivement la décentralisation. Le DMP, peut-être un des gros problèmes du DMP, c'est qu'il est centralisé. Si on le décentralise tout ça, et qu'on du coup on l'oriente vers le patient plutôt que vers l'administration des soins de santé, peut-être qu'on aura quelque chose de plus fiable, utilisable, plus pertinent pour chaque profession de santé aussi.